Je vous reviens parce que depuis je veux en parler, mais les gens ne font que nous appeler. Chers frères et sœurs, nous sommes étouffés dans cette broussaille. Je voudrais dire que si jamais nous ne nous en sortons pas, vraiment, ne pleurez pas parce que j'ai fait, nous avons fait ce choix de gris, de bon gris. Nous nous refusons dans cette broussaille en fuite de la police de la gendarmerie. Nous avons espoir qu'on peut trouver un chemin pour sortir. Nous sommes encore dans le côté, mais nous sommes derrière ce carré. Donc on est en train de chercher une barrière qui peut sortir, qui peut longer dans ce carré pour aller traverser. Parce qu'on a notre personne tombée dans la barrière de ce carré et les gars nous ont repoussé en menaçant d'appeler la police. Je voudrais dire donc à tous les miens de garder la foi, de savoir que tôt ou tard, ce pays va changer. Et c'est pour cette raison que je me suis engagé. Pour mes enfants, pour toutes ces personnes qui me sont chères, pour maman qui est fatiguée et que je n'arrive pas à lui donner un morceau de pain, alors que c'est tout pour moi toute ma jeunesse. Et que moi voici, je n'ai pas d'emploi, je n'ai rien. Je me bats pour la justice et j'ai foi que demain matin, il y aura l'emploi pour tous. J'ai foi que demain matin, le concours ne sera plus payé. Ceux qui ont mérité pourront l'avoir. Je vous remercie. Je vais peut-être être là sinon. On a pris une seconde de la sécurité. Nous avons pris une seconde. Nous avons pris une seconde de souffler un peu, avoir un peu d'énergie et repartir. Alors merci, à tout à l'heure. Nous prions surtout que si on nous arrête, que cette vidéo tombe entre les bonnes mains.